va commencer. Et il joue Wolf. Wolf contre ZSS. Avec un petit Wolf. Wolf veste orange. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Sur PS2, ma foi, grand classique. Ouais. Bon, ça convient à peu près à tout le monde hein, comme stage. Hein, alors, moi, je suis pas un grand fan de PS2, mais ça dépend des persos que je joue aussi. On peut bien profiter des plateformes, il y a une bonne zone pour sauter, faire des carrières. Wolf qui est très agressif là. Ouais, là, clairement, il l'agresse bien, il tente un petit laser. L'Ekim qui n'arrive vraiment pas à rétablir. Il n'arrive pas à trouver, il l'a gratté avec un petit dernier sans le désavantage bourré, mais c'était pas. Puis sans compter les réflexes d'écho pour bien parer. Esquive, bien dodge. Mais là, il est prêt, écho. Ah, petit nerf auto-shield. Il enchaîne les nerfs, ouais. Hop là. Il continue. Passe. Il passe bien là, c'est. Il couvre bien les options de désavantage là, le F-tilt pour couvrir une approche directe, il back trop derrière. Il attend. Ah. Il attend clairement l'erreur dans le désavantage de l'Ekim. Ah bah ouais. Je pense qu'il a peut-être l'habitude de jouer contre des ZSS, hein, contrairement à l'Ekim. Les Wolves, ils en croisent pas tous les jours. Hein. Ça va surtout pas du niveau là. Bah, il doit sûrement y avoir un ou deux bons joueurs des ZSS. Ça par contre, c'était trop greedy. Ouais. Dans le Smash, c'était très bien tenté. Ouais, en vrai, ouais, Echo là qui s'est un petit peu senti plus aisé, qui a failli rentrer dedans. Malheureusement, l'équipe ne peut réagir assez vite. Il aurait pu avoir un bon petit dans le Smash en punish. Hop, le nerf qui viendra shield poke ici. Ça, forcément, c'est. Voilà. L'Ekim qui passe derrière patiemment, c'est bien vu. Et là, malheureusement, l'Ekim qui était à haut pourcent là. L'Ekim quand même qui. Il a peut-être compris comment il joue. Comment joue Echo. Ouais, il arrive bien. Interception en air. Hein. Ah, il a intercepté le downbeat. Le problème downbeat DSS, c'est que tu peux vraiment y réagir si t'es prêt pour. Et comme l'Ekim semble un peu le spammer, Echo là, il laisse pas s'en sortir avec ça. Contrairement à Wolf, ZSS a très peu de kill move. Hein, donc ça va être non, en vrai, ça va. Kills, pas tellement de problème. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'était bien tenté. Ouais. Ah, la throw qui va se repunir. On ne peut pas whiff une shop dans ce jeu. Ah, le dernier avantage, petite. Oui, c'est une technique. Si tu bourres ton downer comme ça, ne descends pas vraiment en fait. Echo qui anticipe les moindres mouvements. Il réagit en réalité. Ouais. Il réagit au tac au tac. Hop. Echo qui a un backer qui est trouvé, qui a tué presque. L'Ekim qui cherche les ouvertures pour tuer. L'Ekim essaie de trouver un side B qu'il n'utilise pas. Il essaie de trouver un setup au neutral B. Là, voilà, le backer. Il n'a pas assez respecté le backer de Wolf. Hop, à nouveau le backer qui touche. Et voilà, Echo il est très tranquille là, il a juste à se poser. Il est tranquille, il a encore ses 3 stocks. Là, Omar qui est posé là, il bourre tranquillement en s'en moquant un peu. Ouais, là, je pense que ça va être très cool. Là, il tente un down air un peu cheeky comme ça. Un peu piffé. Oui, bah de toute façon, on peut l'envoyer en piffé quand t'as autant l'avantage, t'es là, bon allez, on va terminer. Kim, retire au moins une stock, ce serait. L'Ekim qui veut clairement sauver son honneur. Up throw qui ne tue pas encore. Qui ne tue pas, ouais. Non, Wolf c'est un fast faller, il faudrait un petit peu plus. Et le up smash qui vient catch. Le whiff de l'Ekim. Je sais pas si c'était piffé ou si c'était bien. Bien placé, mais en tout cas, très bien space. Je sais pas, mais en tout cas, l'Ekim a whiff et Echo a puni. Une interaction tout à fait normale. Un joli 3 stocks. Un 3 stocks propre, promptement mené. Vraiment la force tranquille sur cette game. Ça passe pas le 3 stocks violent, tu vois. Ganon qui est venu bas, d'un trop d'air, pas à pou, d'un air. C'était le petit 3 stocks, un petit coup par-ci, petit coup par-là. Tu vas là, bon, je te tape, Alors qu'un 3 stocks de Wolf, bon. Ah non, Wolf ça peut être beaucoup plus explosif que ça, mais là, Echo a plutôt joué tranquillement et attendu les erreurs de l'Ekim dans le désavantage. Il connaît peut-être pas. La manière de faire de l'Ekim, mais là je pense que maintenant il va. Il joue Ike en plus. Oh là 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 là. Ah, c'est un peu. Echo fait partie de ces mecs qui jouent un peu tous les top tiers du jeu, tu vois. Top tier man quoi. Bon, Ike c'est pas top tier, mais disons qu'il n'avait pas loin. Ouais, c'est en haut du high tier quoi. Clairement. Hop, et là, d'accord. Counterpick Smashville. Les ZSS Counterpick Smashville. Les downer un peu trop. L'Ekim qui aime bien son down air, peut-être un peu trop. Il en abuse un peu trop, ouais. Bah, le problème, c'est que c'était pas vraiment un bon VDZ contre Ike, parce qu'il va juste. Ike va juste agiter son épée et ton down air, il va aller se faire mettre. Mais là, un bon 67% de gravité, là, c'est bien. Kim qui prend un petit lead, il intercepte avec le faux air. Dommage sur ce upslash où il fait ça. Dommage, l'Ekim qui arrivait à garder avantage. Et là, voilà, on est sur Ike. Très agressif. Voilà, le Ike. Nerf, voilà, c'est vraiment. C'est comme ça que se joue Ike. Neutral des nerfs dès que t'as l'avantage des repères, c'est comme ça que ça marche. Hop, la shop tentée qui met Echo qui avait pile space en dehors. Et là, Echo qui bourre les nerfs un petit peu en s'en battant ses grandes couillasses. Le grab qui passe.
la shop, avec le moins il aurait dû back throw, la throw était loin de tuer. Oui, effectivement, plus Dandy, ça serait peut-être passé. Ouais, ou même simplement pour le mettre off stage quoi. Les copies très aériens. Ouais, Nair, bah clairement avec Ike, le neutre à l'air. Là, c'est sûrement la range parfaite pour se prendre Nair into upper. Et là, ouh, le upper bien DI de Lee Kim qui empêchera de crever. De toute façon, le nerf de Ike, ça ouvre tellement sur des combos très. C'est un auto-combo derrière, hein, limite. Hein. Ouais, très et là, bien, le voilà, le upper qui a catch l'atterrissage. Et là, le side B que Lee Kim en utilise enfin, là, où on quitte pour son. Et là, voilà. Ah, bon DI, Echo n'a pas réagi à la DI. Là, il panique un peu, Lee Kim. Il. Non, en vrai, ça va. Il fait des down smash, c'est tout à fait normal avec ZSS. J'irais plutôt qu'au contraire, là, il reste assez calme. Là, il tente des fers, malheureusement, ça connecte pas, c'est dommage pour lui. Enfin, il est monstrueux. Ou il tente le B de le tuer comme ça. Hop, l'atterrissage agressif qui est puni. Ah là, presque le backer. Hein. Ah, le backer qui est presque passé, ça aurait été un beau read. Ah, il tente pareil encore de read. Ouais, Echo qui comprend ce que Lee Kim veut faire, mais Ike est un petit peu trop lent pour empêcher ZSS de bouger. Ouais, voilà. Et là, Nair to Upper. Trop classique. Ah, je pense que Lee Kim a mon petit passé sur side B qui est une bonne arme. Surtout que les persos AEP, c'est un move qui a plein de range, donc du coup, les persos AEP ça les emmerde un peu. Ah, surtout qu'il y a je sais pas combien de frames d'invulnérabilité au début de son move. Ah, ça c'est Dandy, mais je parlais plutôt du side B moi. Oui, le side B, oui. Je parlais plutôt du side B. Il a une putain de portée, c'est un bon kill move. Là, c'est ça. C'est le chaos gratuit. Hein. Ah bon, là, je crois que la up throw devrait finir par tuer là. Ah, il enchaîne trop les deux. Nair, fer, classique. J'aime trop. Ah, dommage, la panique air dodge. Voilà, Nair to back air, ça a presque tué. Ça sent le 103 stock. Malheureusement, là, allez, Kim. Allez, Kim là. Il n'utilise pas contrairement à Sauce, il ne pense pas à utiliser les hobby out of shield ZSS alors que c'est très bien. Là, classique Nair to upper, Ike à 180, ça tue à 70. Bien joué, Echo qui a 3 stocks deux fois. Double 3 stocks, double clairement, 3 stocks. Il était au calme, ça là on sentait.